Iliane. On va rejoindre Iliane, qui est au Grand Défi, Pierre Lajoie. Iliane, Isabelle vient tout juste de nous dire qu'il faut profiter du temps frais parce que ça va être un peu plus chaud dans les prochains jours. Ça ressemble à quoi sur le terrain aujourd'hui? Bien, écoutez, il y a ces athlètes qui sont partis pour faire cette boucle de 135 km ce matin. Ils sont partis du pont de Québec à 8 heures. Et là, ils font une tournée de différents secteurs dans la grande région de Québec. Ils se sont arrêtés un peu plus tôt à Saint-Édouard-de-Lobinière. À cet endroit, il y avait beaucoup d'ambiance. On peut entendre des gens sur place à l'instant. Ensemble, on fait la boucle. C'est vraiment super génial. C'est spécial, j'imagine. Oui, c'est vraiment très spécial, hein, ma grande. Bien, super bonne, donc. C'est moi son encadreur. Ah, bon, j'en fais là. Absolument. Ça va très, très bien. Ce qui nous reste, on s'en retourne tranquillement vers Québec. Comment vous trouvez l'ambiance? Comment ça se passe? C'est plaisant, c'est fun. Les gens sont accueillants. On est vraiment chanceux. Parce qu'on est des amateurs de vélo déjà. Puis après ça, on trouve que la cause de la voix, c'est une bonne cause. Ça fait qu'on s'est convaincu toute la gang d'y aller cette année. Comment trouver l'ambiance jusqu'à maintenant, là? Ah, ben là, regarde, on peut pas demander mieux. Là, on a une belle journée. Les gens sont gentils. C'est formidable. Ça va? Tu fais des cyclistes aussi? Oui, je vais en faire. Je lui laisse prendre les shots pour samedi. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Iliane. Et du côté de la... Merci beaucoup. On se retrouve cet après-midi. Au revoir. À bientôt.